Masé Hasar, Masé Janas. Palhu Mansepa, Winja Duashala. Tusama, Winja Urus Waidarsh. Gwifa Haplaha, Winjai Damsha. By a Guama. Udam, Krauhadan Yaudan. Isila, Haskapuris. Winjan, Hirakwas Barak. Nu, Laukas Guama. Mash Apashkanti, Winja Brashtar. Balshayua Guasharsh. Urus Sansharsh. Mas Sansharsh. Bienvenue à tous, c'est Rules, on se retrouve aujourd'hui sur Far Cry Primal, un des jeux que j'avais envie de posséder dans ma bibliothèque et je vous le fais découvrir tout de suite sans plus attendre. C'est parti, appuyez sur rond pour vous accroupir à éviter d'être repéré. C'est parti. On est chaud. On est avec des grosses bébêtes. Hein. Et d'ailleurs, mon personnage, il s'appelle pas Takar, tête de cul. Il s'appelle Oleg. Et Oleg, c'est un psychopathe. Et je peux te dire que les mecs, les bestioles, là, ils font... D'accord. Allez, oui, on avance. C'est parti. Donc sans se faire repérer, bien sûr, parce que se prendre un coup de corne de 3 km de long, à mon avis... Ouais.
Chamcha, Dakar, No Mashwantar, Pura Shitaugash. Il y a des types là, je fais quoi moi? Hein? En fait, vas-y. Tiens, dégage. C'est parti, à l'attaque. Allez, on va bouffer du bison. Bon, alors, le but, évidemment, c'est de se manger le bison, là. Tiens, et moi je vise mon partenaire. Ouais, j'ai plus rien, là. J'ai plus de lance. Donc, je suppose que vous vous en doutez tous. On se retrouve en l'an moins 10 000. Hein, pour pouvoir... attendez, moi, j'y vais, moi. Je vais le niquer. Vous inquiétez pas, je m'en charge. Bim. Bim, sur le coin de la gueule. Et moi, je dégage, par contre, aussi, là. Donc, on est parti sur Far Cry Primal, certes, pour... éventuellement une découverte et pour vous en parler forcément moi je continue à le défoncer moi. Suwon Blastar. Suwon. Shanchita Takar. Uruswaida. Umas Aperskandi Winja. Rasta. Uru Shanti, Patigri Shantir, Dachis Tadarsam. En route vers Oros, chemin vers Oros. Allez, c'est parti. Bon, besoin d'arc, d'accord, ok. Donc maintenant que j'ai enterré mon pote, forcément, je dois éventuellement me faire un arc. C'est quoi ces bestioles? Donc, ah, ramasser, vas-y, je ramasse. Alors, je sais même pas avec quoi je vais faire un arc. C'est ça qui me fait rigoler. Donc là, il y a une branche. Attends. Voilà. Là, il y a encore des branches. Je vais en récupérer. Alors, je vais vous parler un peu de ce jeu, Far Cry Primal, étant donné que toi, t'es peut-être en train de te tuer sur The Division. Hein, la Division, évidemment. Pourquoi Far Cry et non pas The Division? Parce que j'aurais pu vous le proposer. Et j'avais longuement parlé avec un gamer
Et en discutant, il m'a proposé évidemment d'essayer The Division. Donc j'ai eu l'occasion de le tester. Et du coup, c'est vrai que on a tendance à avoir évidemment un trailer de jeu vidéo super beau, super bien. On se dit, ouais, franchement, ça va tout déchirer. Et au final, ben, me voici sur Far Cry. Parce que bon, The Division, j'ai trouvé que c'était trop répétitif. Et au bout d'une heure de game, ça m'a vite saoulé. J'ai fait laisse tomber. C'est encore un truc pour se faire baiser. Donc voilà, The Division, j'aurai peut-être l'occasion de vous le présenter durant les prochains jours ou prochains mois. Mais pour le moment, on se concentre sur Far Cry Primal. Et donc là, à mon avis, je peux me faire un arc. Donc on va se le faire. Alors, oui, un arc. Voilà, bon, bah, apparemment, j'ai fait un arc, hein, c'est génial. Hein, Voilà, il n'y a rien de plus simple pour faire un arc. Bon, bah voilà qui est fait. Ça c'est fait, un arc. Oui, maintenant, besoin de manger. Donc, pour chasser efficacement, approchez-vous doucement de votre proie et appuyez sur rond pour vous accroupir, d'accord? Maintenez R3 pour utiliser votre vision de chasseur et marquer les bêtes et traces de sang à proximité. Et gardez vos silences, certains animaux s'enfuiront s'ils détectent votre présence, d'accord? Rond. Donc, va falloir éventuellement que je chasse et que je trouve une bestiole. Et ben, je peux te dire que pour moi, c'est pas gagné. Graphiquement, le jeu est, il est beau, honnêtement. Hein, y a pas grand-chose à dire. Hein, je trouve que c'est quand même du propre. Bim, la bestiole, dégage. Et tu vas où? Ah putain, il va falloir que je lui cours après maintenant. Ah, il y en a un deuxième là. Je crois que j'ai été un peu sauvagement. Oh, ça va être tendu pour chasser. Eh, mais moi je suis pas le roi de la chasse. Hein. Oh, ils sont tous montés. Comment je fais moi maintenant? Ils me disent d'appuyer sur R3, j'appuie. Ah oui, voilà. Donc on va y aller. Ah bah regardez. Il y a un corps. Par contre, ouais, allez, vas-y, on le découpe. Voilà, 3 viandes. Donc, pour se soigner, c'est triangle. Hop là, un morceau de viande, on est refait. Il y a un bruit là. Oh, c'est quoi ce bordel? Laisse-moi monter en hauteur. Donc, il me faut 3 chèvres, dont une que j'ai repérée là. Donc je vais essayer de la niquer. Le jeu est super beau et en plus j'ai trouvé que ce qui était bien de la part de Far Cry, de Ubisoft Montréal, c'est que ils nous font revenir en arrière, voilà, à la préhistoire. Et j'ai trouvé ça génial de revenir en arrière et de vivre en tant qu'homme préhistorique. Donc déjà, c'était un bon point aussi que j'ai trouvé dans le jeu. Et ça va nous permettre au passage de se débrouiller sans voiture, sans armes, juste à l'ancienne, avec un arc. Et je suppose qu'il y aura d'autres encore armes à débloquer, ou pas peut-être. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vachement sympa que l'on puisse... elle est là. Elle est là, la bestiole. Reste là. Elle est où? On va s'accroupir. Peut-être que... en faisant comme ça, évidemment, on se fera pas repérer. Elle est où? Elle est là. Oh putain, je l'ai raté. Attends, je me concentre et on en reparle. Bim, dans la tête. Et tu vas pas aller très loin, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, elle est là. Non, elle est pas là. D'accord. C'est quoi ce bruit? Putain, ça fait flipper, oh. Ouah, putain.
C'est quoi qu'ils me disent de ramasser là? Ah d'accord, des branches. Ok, j'y récupère. Donc elle est où ma bête? Parce que j'ai chassé une bête là, il me semble. Hein, si lui, je lui... Pim, dans les pieds. Allez, vas-y. De toute façon, elle doit pas être bien loin. Elle est où? Bon, attendez, j'appuie sur R3 pour savoir où est ma bête. Parce que là, je l'ai perdue de vue. Ah, elle est là. Voilà. J'ai... D'accord, donc la nuit arrive, il faut que je me mette tout de suite à l'abri. D'accord, bon, on va y aller. Donc oui, je disais que le jeu est super, parce que bon, revenir à la préhistoire, c'est génial. Graphiquement, bah, je trouve que Ubisoft Montréal ne font pas du sale boulot, au contraire, j'ai trouvé que graphiquement, le jeu est super beau, comme vous avez pu voir dans la cinématique du début. Et tout de suite, avant de vous en reparler, on va allumer le feu de camp. D'accord, c'est un checkpoint en fait. D'accord, vous pouvez désormais confectionner un gourdin, appuyer sur le pad pour voir le menu. D'accord. Donc le gourdin. Ah d'accord, c'est ça. Ok, j'ai fabriqué un gourdin. Donc je vois qu'on peut faire plusieurs trucs. Et on a 1, 2, 3, 4, 5. 6 personnages au total. Donc j'espère que c'est pas les 6 personnages qu'on va devoir contrôler, parce que sinon ça va être un bordel pas possible. Le temps qu'on est dans les options, on va voir vite fait y faire un tour, voir ce qu'on trouve. Alors on a les compétences. Voilà, bah oui, bah c'est pour chaque personnage. C'est bien ce que je vous disais, il y a bien 8 personnages au total. Donc voilà, qu'il va falloir évidemment les mettre, augmenter évidemment leurs compétences. On a notre sac. Voilà, qui nous explique ce qu'on a ramassé, tout ça. D'accord, ok. Donc, aide, bon, on s'en fout. Carte, bon, c'est la carte, hein. Vous savez, je pense que vous le savez tous. Et puis, c'est tout. Bon, d'accord. Donc là, j'ai mon gourdin. D'accord. Enflammez votre gourdin pour faire... D'accord, ok, une torche, d'accord. Donc c'est-à-dire que là, je vais pouvoir maintenir R3 pour utiliser votre vision de chasseur, d'accord. Et... D'accord, ok. Donc, on brûle les plantes. Il y a un truc qui a brillé là-bas, non? Ah oui, mais c'est encore du bois. Ouais, mais du bois, je vais pas commencer à en ramasser durant toute la vidéo, parce que sinon... Hein. Donc, oui. D'accord, suivre les traces, Wenja, maintenir 3. D'accord, ok. Donc, Wenja, il faut que je suive leurs traces. Donc, allez, c'est parti. Oui, je disais, je trouve que c'est bien de revenir à l'époque de la préhistoire. Je trouve que c'est pas non plus con du tout ce qu'ils ont fait, l'équipe de Ubisoft Montréal. Je trouve même que ça a été très intelligent de leur part. Donc on va descendre.
Parce qu'on va devoir se débrouiller sans armes. Et ça va être bon, ça aussi. Je trouve que c'est quand même un bon point. Parce que bon, il y en a quand même un peu marre aussi d'avoir des jeux avec des flingues et autres. Et je trouve que c'est quand même un bon point de pouvoir se démerder comme à l'ancienne. Donc voilà, en tout cas, Far Cry Primal, c'est un des jeux que je vous reconseille. Que je vous conseille évidemment d'acheter. Si vous ne savez pas ou vous hésitez entre The Division et Far Cry ou un autre jeu, hein, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Ah, il y a un truc là. Vas-y. D'accord, ok. C'est tout ce que tu avais à me dire. Bon, on va y aller. On va aller voir les Wenja. Hein, on va aller leur parler. Donc il y a des loups, alors il faut les effrayer avec le feu, forcément, hein, c'est la logique comme en vrai. Oh, il y a des bruits là, putain, ça me stresse. Ça me stresse. Bon, non, on va passer par là. Ouah, il y a des loups là. Ouais, il y a un loup là. Il y a un loup. Voilà, qui va venir me chicaner. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est bien fait, ça. Ah, je trouve ça super bien fait, par contre. Wow. Tiens, t'as pris deux coups de bâton, mon vieux. Ouais, wow, mais en fait, c'est qu'il y a des loups de partout. Mais la nuit, c'est dangereux, au final. Je crois que j'ai un loup qui est en train de s'enflammer, en fait. C'est quoi, ça? J'aperçois quelque chose là. Voilà. T'as vu ce que j'ai fait de ton frère? Hein? On n'a pas pu chicaner. Ah, c'est pas. Ça, c'est bon ça. J'ai défoncé un loup. Ouais, mais il y a des loups de partout, sans déconner! Et chicane-moi pas, parce que hein, moi je suis un dingue. Donc, ok, peau de loup, donc on va avancer, hein, on va pas rester ici. C'est un peu trop dangereux, hein, étant donné qu'il y a des loups un peu partout. Allez, on grimpe. Bon, j'ai pas besoin de m'accroupir là. En tout cas, il est super bien fait le jeu, honnêtement. Je m'attendais pas à ça d'Ubisoft, parce que vous savez que moi et Ubisoft, ça fait deux, hein. C'est pas un des studios que j'adhère, mais alors là, franchement, waouh. Ça va. Bon, après, il y a mieux, hein. C'est sûr. Ah, silex. Pourquoi ils m'ont mis silex? Chercher. D'accord, ok. En fait, je suis blindé au niveau du sac, déjà, j'ai l'impression. Dernier gourdin. Ouais. Je fais quoi, là? Je plonge? Hein? D'accord, ok. Donc attendez. Merde, il vient de me dire quelque chose. Suivez les traces Wenja. Ouais, bon, d'accord, ça on a compris. Mais après, pour enflammer le bordel. Ah merde, j'ai même pas eu le temps de lire. Bon, bah c'est pas grave. Allez, on saute. On est des dingues. Bon, ok, suivez les traces Wenja. Ça, on a compris. Enflammez vos vias. Appuyez sur L1 carré sur l'action. D'accord, ok. D'accord, maintenez L1. Et carré. D'accord, ok. Oula, mais ça va être un truc très compliqué pour moi, ça. Tu vois? Non, attendez, cherchez. D'accord, graisse d'animal. Il n'y a plus de place dans le sac. Putain, un espace de... Non, il n'y a plus de place. D'accord, ok. Bon, allez. On avance. En tout cas, on se quittera une fois qu'on aura trouvé les Wenja. C'était une aperçue de Far Cry. Vous inquiétez pas. On reviendra dessus. Sur Far Cry Primal. Je vous le propose pas en let's play parce que ça risquerait d'être très long. D'accord, ok, là y a rien. D'accord, mais moi en fait je peux plus rien ramasser quoi en fait. Hein? En gros, c'est ça. Bon, ah bah, vous savez quoi? On va continuer, nous. Ouais, on va continuer.
Ramasser ardoise. Pourquoi ramasser de l'ardoise? Oui, mais de l'ardoise, j'en ai marre d'en ramasser de l'ardoise. Et qu'est-ce que je dois faire? Ah putain! En fait, j'étais tellement pris par le décor que je sais même pas où je dois aller. Attends, peut-être là, monter là, non? Non, pas là. Ouais, mais en même temps, si j'appuie pas sur R3, je ne saurais même pas où ils sont allés, les Wenja. Ah, d'accord, ok, c'est là. Ah, ouais. D'accord. Ah, bah, c'est parti. Attendez. Non, R1 et carré rules. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, le problème, c'est qu'il y a de la flotte. Ça va éteindre. Bah, oui, ça va éteindre le bordel. Putain, mais je suis con. Ah, il va falloir peut-être que je saute là. Tac. C'est quoi ça? Ils me disent quelque chose là, mais comment ça se fait? Je peux pas y enflammer. Allez, on allume la mèche. Je sais même pas si c'est le bon chemin que je suis en train de prendre. Si c'est le bon chemin. Petite souris. Y'a moyen que je la brûle. Allez. Mon personnage Oleg va retrouver Wenja. On peut pas y foutre le feu? Ah bah si, on peut y foutre le feu. D'accord, bon. Bah, au moins j'aurai appris quelque chose. Bon, de toute façon, ça sert à rien d'appuyer R3 maintenant. Hein. Si là, il y a besoin d'appuyer sur R3. Allez, Wenja, ils sont passés par là. Non mais attends, genre en fait, même les petites souris, je peux me les faire quoi. D'accord, fais voir. Ramasse ces viandes. Je veux bouffer de la viande de souris. Ouais, ils sont bien passés par là les Wenja. C'est bon ça. On plonge dans la flotte. Allez, on continue. En tout cas, un conseil, Far Cry Primal, ça vaut le détour, je vous le conseille, moi, de mon côté. Ça sera mon conseil, et pour une fois, bravo Ubisoft. Alors après l'histoire, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, durant la prochaine vidéo sur Far Cry... On en reparlera. Et là, j'ai vu quelqu'un. Donc, qui est cette personne? Est-ce que c'est les Wenja? T'inquiète pas, y'a Oleg, il se ramène te sauver. Pays d'Oros. Découvert. Wenja.
Na orrospi? Palu, sashwalim shalam. Takar hasam. Saila. Tigri chawasu, tiyi bayamartis. Tigri udam daf. Udam shaus. Dausam. Utakar ulimwan. Ku aika guasta. Mi kawa. Ahatra. Guama. Guama. Checkpoint. J'espère que ce jeu vous a plu. En tout cas, moi, je vais continuer à vivre l'aventure Far Cry. Et là, la copine à Oleg, elle va présenter toute sa famille. Ouh. Ada. Udam Shajan. Winja Damsha. Uguijara. Udam Palhu Winja Uguana. Winja Haiwa Guasha. Santamsha Oros. Tigre dança do. Sakui. Ai. Walta lauba akista. Mi barra. Walta lauba waida. Hatigi walmi yaka. Trauman happy. Walta laiba waida ta. Grave blessure. Donc mon but est de trouver des feuilles vertes. Et ben vous savez quoi, je vais pas vous en, vous allez pas m'accompagner pour trouver évidemment les feuilles vertes pour soigner cette jeune femme que j'ai sauvée dans la grotte. Moi je vais vous laisser ici. Je vais aller chercher les feuilles vertes, tout seul. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne YouTube Rules Gamer. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas aussi de liker mes pages Facebook sur Twitter et Twitch Rules Gamer. Voilà, c'était Rules sur Far Cry Primal. J'espère que je vous aurai donné envie de le posséder. On se retrouve quant à nous pour d'autres vidéos en mode gaming. C'était Rules. Portez-vous bien. Salut les gamers.